allons-y. Joie. Oui. Non. Boum, c'est littéralement bon. C'est chiant. Hey, salut les amis, ici c'est le shérif Marshall John McGrenier. Cette vidéo vous sera présentée par mon arrière petit-fils. Bonjour, bonsoir à tous. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver, Thompson. Oui, Thompson. Ah, Dieu, qu'elles étaient attendues par beaucoup de monde sur cette chaîne quasiment depuis que je l'ai démarrée. Tout le monde me demande la Thompson, et ben voilà, non seulement il y en a une, mais il y en a deux. C'est formidable, quand il y en a plus, il y en a encore. Ces armes sont malheureusement en A1-1, c'est cuit pour elles. C'est cuit, mais Dieu merci, comme ce sont des Thompson, elles sont quand même promises à un avenir qui ne passe pas forcément par la ferraille. Je doute qu'un seul d'entre vous ne connaisse pas la gueule absolument inimitable de la Thompson. C'est un pistolet mitrailleur américain, ou plutôt états-unien, car il ne faut pas dire américain, vous le saurez. On dit états-unien pour les États-Unis d'Amérique, vous savez, c'est pas l'Amérique. Créé par John T. Thompson et utilisé, entre autres, mais globalement surtout, par les gangsters ricains de Chicago des années 20, et évidemment, les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce brave John T. Thompson fonde l'Auto Ordnance Corporation en 1916, à Cleveland, Ohio. Ohio! Il faut savoir aussi qu'il y a eu plusieurs fabricants, dont évidemment Colt, qui en fabriquait entre 21 et 22, à peu près 15 000. Évidemment l'Auto Ordnance et Remington, qui s'occupa notamment des garnitures. Alors, premier truc à noter, c'est lourd comme un putain de cheval mort. Je pourrais faire mon sport avec. Vous voyez, c'est lourd. Ça branle. Qui en fait pas forcément une arme extraordinaire. On parlera de certains de ses autres défauts plus tard. Mais globalement, c'est quand même une arme absolument mythique puisqu'elle est partout dans la culture pop et elle est dans énormément de bouquins, énormément de films, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de, même de chansons. Et c'est un plaisir et un privilège d'en avoir. Donc quand je dis que c'est lourd, cette variante-là fait... je sais pas, moins d'un mètre 81 centimètres, un truc comme ça. Ça fait 4,88 kg. Hein. Vide. Ça fait 4,88 kg. Vide. Trêve de bavardages et de bilveuseries, nous allons tirer. Alors, on va commencer par la modèle 1928. Particularité. Alors, hormis que celle-ci a une hausse fixe d'ordinaire, il y a aussi des hausses à curseur. Elle a un levier d'armement dessus. Ça va sans dire, je ne l'ai pas dit, mais je pense que tout le monde le sait. C'est un système à culasse ouverte, c'est-à-dire que globalement, la culasse, quand vous allez appuyer, va faire déjà un gros tchoukounk en vous envoyant en avant. Mais surtout, elle va venir piocher une cartouche dans le chargeur, la percuter, la sortir, se remettre en batterie. Évidemment, ce sont des semi-autos, je l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois, mais je vais le redire. Il n'y aura jamais de full auto sur cette chaîne, c'est pas prudent. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai pas de camembert aujourd'hui. Je suis navré, mais j'en ai pas. Je n'ai que des chargeurs droits. C'est très triste, mais c'est comme ça. Allez, on va tester ça. Donc, je suis toujours sur mes cibles de 2,5 par 2,5. On va voir ce que ça donne. On va essayer de faire un petit peu de précision. Ah ! Oh, putain ! Je suis, allez, 60 cm au-dessus de la cible. Pourquoi déjà ?
Ouais, alors, évidemment, on ne sent absolument pas le 45. Donc c'est du 45 ACP, hein, du 45 Automatic Cold Piston. Évidemment, à 4,88 kg, on sent rien. Si ce n'est que, donc là, je suis bien vide, on sent quand même un bon gros... chuchonk. Qui vous envoie en avant. La course de la culasse est très très sensible. Et son arrivée, bon voilà, la queue de détente n'est pas ultra bonne, hein, faut admettre, ça reste une arme de combat, hein, mine de rien. Elle est un peu lourde, sans exagération, je trouve pas que ce soit exagéré. Pour ce qui est des commandes, ici vous avez un déverrouillage de chargeur qui doit être le plus pourri que j'ai jamais vu de mon existence. Ici, théoriquement, vous l'avez sur l'autre mais pas sur celle-ci, vous avez un switch semi-full. Et ici, vous avez la sûreté. Qui est pas des plus pratiques, mais on va dire que sans trop décoller la main, ça va, ça se fait. Donc évidemment, les chargeurs droits, c'est 20 ou 30 coups, et les fameux tambours. Car oui, les premières versions, déjà, n'avaient pas ce bois-là, ils avaient une poignée extrêmement élégante. Et elle avait surtout des chargeurs tambours de 50 ou de 100 coups. Et là, autant vous dire, brrr, ça envoyait. Alors pour être exact, c'est pas brrr, étant donné que c'est 600 coups minutes, ce qui est quand même relativement léger comme cadence. Donc on va quand même faire un cours historique, parce que là c'est obligé, et puis quoi qu'il en soit, je ne referai jamais de vidéo sur ces armes-là, puisque bah, elles vont partir. Le premier modèle, le 21A, a été rapidement suivi en 1926 du 21AC, qui a été équipé d'un frein de bouche, c'est pas celui-ci. Il n'y a pas grand monde qui connaisse le second modèle. Le second modèle, c'est le modèle 1923. C'est une tentative complètement délirante d'accroître la portée du Thompson avec un canon vachement plus long, un bipied, et surtout une munition dédiée qui a été oubliée des hommes et des dieux des cartouches, qui était le 45 Remington Thompson. Alors je vous la montrerai bien, j'espère juste que je vais en trouver une photo, n'est-ce pas? Parce que dans la catégorie pas commun, ouais, ça c'est vraiment pas commun. Ensuite, en 1927 sort le Graal absolu, c'est la modèle 1927 vraiment pas beaucoup d'exemplaires, je me souviens plus combien, mais très peu. C'est une version semi-automatique native, qui donc, théoriquement, chez nous, est bien classée en B2A. Bon courage pour en trouver celle-ci, et je pense très franchement qu'avec sa ressemblance à celle-ci, elle ne fasse pas long feu, mais bon. Le modèle 1928, c'est celle-ci, sort donc un an plus tard. La grosse différence, eh ben, c'est l'apparition de ce garde-main horizontal et de bâtons de bretelles, généralement surtout les exemplaires sortis. A savoir qu'à partir de 1929, il y a quelques exemplaires qui sortiront de chez BSA. Alors en 45, certes, en 9-19, ce qui est plus étonnant, et surtout en 7-63 Mother. Oui, c'est incroyable, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Même les armes américaines peuvent décider d'utiliser des bons calibres, un jour. Hein. Troll! Troll! Allez, on va reprendre le tir, mais cette fois avec un autre exemplaire, car oui, vous l'avez vu, j'ai également un M1A1, donc ça c'est typiquement l'exemplaire de la Seconde Guerre mondiale, qui se différencie, que ce soit le M1 ou le M1A1, par non plus un levier, enfin, une boule, on va dire, hein, parce que c'est pas tellement un levier, non plus un levier de culasse sur le dessus, mais sur le côté, ce qui est nettement moins pratique, et il faut admettre que c'est tout petit, et c'est très chiant, très chiant, à choper. Je sens qu'il y a eu un nombre incalculable de glissés et de je ne sais quoi et de machin qui ont pu coûter des vies, hein, faut admettre. Alors, une autre petite différence, c'est que la crosse est désormais fixe. Car, je reprends rapidement le 28, sa crosse, hop là, est amovible. Allez, on va faire un tir comme ça, c'est putain de lourd, je sais pas si vous voyez comme je gigote, mais c'est putain de lourd. Let's go. Alors, oui. À peu près, hein. Ah 80 cm à droite, wouh. Bref, voilà, on aura testé, c'est trop cool, ça sert au tir à la hanche, c'est marrant. Bref, tout ce qui énerve les politiques actuelles. Allez, on revient sur le M1, et cette fois, on va bombarder. Car je suis navré, j'ai fort peu de cartouches. Je sais pas pourquoi j'ai pas retrouvé de 45, là je suis dans la dèche. Donc écoutez, on va tout de suite y aller. Le tir à gauche, tout le monde sait que ça aurait pas été pratique. C'est pas bien grave. Je vais faire une cartouche juste histoire de vérifier où elle tire. Et après, on va bombarder un peu. Alors, elle en revanche, elle est quasi pile poil. D'accord. Eh ben allez. Suce à la tyrannie! Wouh! Ouais, c'est très sympa quand même, c'est très sympa, c'est extrêmement lourd.
Mais c'est... Ouais, je reconnais, là, je mesure le privilège que j'ai de pouvoir tirer avec ce genre de couillonnerie. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du sélecteur, il est là, évidemment, là, il est bloqué. Mais il est ici, et là, vous avez la surprise. C'est beaucoup plus cru, hein, sur la version M1. Mais c'est pas grave, les finitions aussi sont dégueulasses, les marquages deviennent aussi extrêmement dégueulasses. Mais enfin bon, peu importe. C'est... figurez-vous, que je n'avais jamais tiré à la Thompson de ma vie. Ça fait partie des modèles qui m'étaient totalement étrangers, autant j'en ai testé plein d'autres, autant celui-ci, bon voilà. C'est... Waouh. Alors c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd, c'est une queue de détente qui est pas extrêmement bonne. Les organes de visée, curieusement, on est relativement bien dessus, ce sont des oeillons. Alors sauf la version à curseur de la 28, qui elle a une vraie hausse. D'ailleurs je remarque qu'ici aussi il y a une vraie hausse qui est creusée, donc je suppose qu'on a le choix entre les deux. Et on vise à peu près au même endroit. Ce qui est intelligent, ma foi. C'est vraiment assez impressionnant d'avoir... Ah oh, putain, qu'est-ce que c'est lourd. Attendez, je la pose parce que je commence à galérer, là. C'est vraiment impressionnant d'avoir accès à ce genre d'arme. Là, je mesure ma chance, je dois admettre. Même si j'aime pas forcément le flingue, mais je dois admettre, là, ouais. Beaucoup de chance. Bon. Alors, à noter qu'à partir de 1940, l'Auto-Ordnance Corporation passe en fait sous les mains d'un autre très riche contributeur, qui s'appelle Russell McGuire. Évidemment, la production de la Thompson continue, mais elle se diversifie beaucoup, notamment Savage à Utica en a fait, et Auto-Ordnance est quasi obligé, pour suivre le rythme, eh bien, d'ouvrir une nouvelle usine à Bridgeport, Connecticut. Connecticut. Faut bien comprendre que c'est une arme, bien qu'elle ait été simplifiée, ça reste une arme extrêmement coûteuse à produire. Extrêmement coûteuse, il y a plein de pièces. C'est compliqué de faire de l'emboutissage parce que bah, c'est exigeant. C'est extrêmement lourd, donc forcément, bon bah oui, effectivement, elle sera relativement appréciée de la troupe. Mais quand on doit se trimballer ça, plus les chargeurs, plus les tambours, plus les machins, plus les bidules, putain, ça commence à faire du sacré poids. C'est bien pour ça que la M1 lui sera toujours préférée. Même s'il faut admettre que, en termes d'automatisme, la M2 ne sera jamais supérieure à la Thompson. Le M3 Gas Gun, en revanche, ça se discute. Malgré tout, il y en aura quand même beaucoup. Faut bien comprendre que pour les seules années 1940 à 1943, il y aura plus de 560 000 exemplaires sortis. Ça fait beaucoup. Pour une arme aussi complexe que celle-ci, ça fait beaucoup. Le démontage, dans sa version normale, ça va, mais dans la version 1.11, je vous garantis, c'est une purge. Tous les possesseurs de Thompson... Il doit pas y en avoir des masses, mais bon, tous les possesseurs de Thompson savent de quoi je parle. Une fois qu'elle est bloquée en semi, elle est très 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 chiante à remonter. À démonter, tout va bien, mais à remonter, c'est une catastrophe quand elle est en semi. Pour la version full, bah ma foi, c'est rien de trop compliqué. Imaginez-vous un PPSH qui serait un peu triturer les neurones, quoi. Bah écoutez, ça a été un réel plaisir de vous montrer ces deux petites choses. Attendez voir. Voilà, bonjour. Voilà, ça a été un réel plaisir de vous présenter ces deux petites choses. Je suis extrêmement content d'avoir pu tester ça avant ma mort, voyez. Car quand même, faut pas mourir idiot. On peut mourir jeune, on peut mourir pauvre, mais il faut pas mourir con. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Et ben, ne mangez pas des Thompson parce que sinon vous allez vous faire mal aux dents. Ciao! Sarah Connor! Salut les jeunes. Ici c'est le Sheriff Marshall. Ici c'est le Sheriff Marshall. C'est le tournage le plus solo de ma vie. Vous avez pas idée.